Amis du clair et du crypté, devinez qui je suis. Je suis un monument national vivant. Je fais la une des médias depuis plus de 40 ans et les événements de ma vie sont tous connus du grand public. J'ai réuni dans mes spectacles quelques 15 millions de fans à qui j'ai vendu plus de 80 millions de disques. J'ai enregistré plus de 1000 titres. Je suis Johnny, évidemment, et sur la chaîne des Enfants du Rock et des Guignols, j'ai laissé de nombreuses séquences collector. Bon, alors je voudrais savoir, aujourd'hui je parle comme Johnny Hallyday ou comme... Non, tu parles comme toi. Ah bon, donc t'es comme d'accord toi. Que la marionnette, je parle pas comme toi. Oh, ben les marionnettes, c'est des marionnettes. Alors Johnny, dans ce film, vous jouez, comme on le voit, le rôle d'un torero. Je suppose que ce rôle demande une grande préparation. Oh, que oui, mon pépélé, que le répète un enfer. Que tu dois te concentrer très fort sur la bête. Ah, que coco. Ah, que attention, mon pépélé, hein. Ah, que tu traites pas mon frère, hein. Que mon frérot, il fait pas des chansonnettes. Il fait du rock and roll. Que souvenir, souvenir. Ah, je vous retrouve à mon cœur. Ah, une fête de pleurir. À tous mes rêves de bonheur. Est-ce que tu l'avais déjà vu de près? Non. Regarde un peu. Il est pas terrible, hein. On pouvait pas ne pas faire. Comment, mais tu vas le vexer, là. Non, mais écoute, t'as vu ça, pardon. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez à lui dire, vous? Que je voudrais lui dire que lui et moi, c'est pas pareil. Que lui, c'est Johnny Hallyday, la star de la chanson et du cinéma. Qu'il a réussi et que j'en suis très fier. Mais que moi, c'est Johnny. Et que les aléas de la vie, elles ont voulu que je devienne un petit artisan boîte à coucoutier sans ambition. Tout de même, dans ses déclarations dans la presse, j'ai lu que Johnny Hallyday en avait gros sur la patate. Que c'est sa patate, mon pépélé. Ah, que c'est un problème entre lui et sa patate. Hein. Pourquoi ce long tarin, là? Non, bon, j'ai pas un petit nez, mon profil. Mets-toi de profil. T'as un nez superbe en plus. Puis une belle boucle d'oreille. Vous voulez pas venir une marionnette avec. Ah, bah, on va te la mettre si tu veux, ça c'est pas un problème. Mais le on nez. On va plutôt pas arrangé non plus. Hein. Bah, c'est ce que je me dis tous les jours. C'est ce que je me dis tous les jours. Quoique. Comme dirait Gainsbourg. À que tu l'as tellement bien chanté que j'avais te rouler une pelle. À que si tu, je l'aime pas que tu me dises à que. À que. Je parle de mon film, il y a que la queue. La queue, c'est quoi la queue? La queue? C'est ce que j'ai avec ta peau, mon petit gars. Vous pouvez pas envoyer la suite, non? Que ça m'arrangerait. Allez, envoie-moi une. Ah ouais. Est-ce que la marionnette des Guignols vous amuse? Disons que ça m'amusait les 6 premiers mois, et maintenant, justement, ça commence à gonfler un peu tout le monde, en parlant poliment. Ouais. Et je voudrais dire à Monsieur Lecoq qu'il arrête de faire dire des niaiseries à des gens plus respectables que lui. Non, mais il a une belle gueule quand on me regarde. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ben écoute, je te propose un truc. Puisque t'es pas d'accord avec le nez. Tu crois? Ah, tu peux y aller. C'est vrai? Et sur son bras droit ressonne. Je sais pas son nom, je sais rien de lui. À qui il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Mon légionnaire. Aïe. Grâce à Johnny, ma vie est ponctuée de chansons qui clignotent comme autant de sémaphores sur les rivages tourmentés de mon existence. De même quoi, insisteront certains, et je leur répondrai « Ah que de même !» Bon. Ah, on préfère le vrai, nous. Oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui demandent la date pour quand Johnny va faire le Bataclan en première partie de Dick Rivers. Johnny, je t'ai écrit une version de Blue Suede Shoes pour le prochain album, ok? Écoute. Pour avoir un peu de money, avoir un fou très chaud, avoir une bonne guêtrière et haricots, je suis fou
de la soupe aux choux. J'aime le cassoulet, je préfère la soupe aux choux. Le petit Hallyday qui arrive à l'école et qui va dire trois mots sur des textes de Brassens, il était pétrifié. Complètement pétrifié. Ah là là, ça, pour sortir, j'ai eu du mal. Ouais. Mais j'étais maladivement très timide quand j'étais plus jeune. Ça m'a passé un peu avec l'âge. Grâce à Dieu, merci. Mais c'était dramatique, je tremblais, je perdais mes moyens, j'avais l'impression que j'allais à ma pendaison, quoi. Johnny, c'est un rocker. Sur scène, Johnny, il crie, il devient fou des fois, il sait pas ce qu'il fait. C'est rocker drôle, tout ça. Il est riche, il a des copines. C'est vrai qu'il change tout le temps de femme, mais c'est son problème, c'est sa vie. Puis s'il est heureux comme ça, ben, tant mieux pour lui, quoi. Et je me demandais, mais qui va pouvoir être mon mari? Et quand on m'a dit, bah, votre mari, c'est Johnny Hallyday, j'ai dit, bah oui, c'est ouais. Évident. Je crois que les choses dans la vie, quand elles doivent arriver, elles arrivent. Ouais, vous êtes fataliste comme ça. Oui. Juste avant de se quitter, il y a Chrissy Hynde hier, la chanteuse des Pretenders, qui m'a donné son harmonica. Ça te dérangerait de me filer ton blouson? En coulisses alors. D'accord. La dernière fois, tu m'as dit, ouais, file-moi ton blouson. Oui, c'est vrai. Bon, ça pouvait pas, c'était un cadeau. Alors voilà, je t'ai fait faire ça. C'est vrai? Ouais. Sympa. Pour toi. C'est ta parole en tout cas. Oh, c'est cool, merci beaucoup. C'est le même que moi. Ouais. Et pour toi, comme je voulais pas non plus que t'aies rien, je t'en ai fait faire un autre qui est différent. Merci, c'est très gentil. Mais qui ira à ta personnalité. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. Ah, que attention, mon PPD, hein. Que si tu continues à déniveler ma famille, que je te tire les cheveux en plastique de ta tête. Arrêtez, ça coûte cher.